Une journée porte ouverte demain à Radio Appal, à la rue Pierre et Marie Curie à Fort-de-France, à l'occasion de son 30e anniversaire. Assez plairée en Oulité a été l'une des premières radios libres à émettre en Martinique, à l'époque sans autorisation. Le reportage de Gilles Filiot. Jeudi, nous avons matché 30 l'année, Radio Appal qui commençait à mettre. C'était le 6 décembre 1981. À l'origine, pour cette radio trentenaire proche du mouvement Assez plairé en Oulité, un projet social basé sur l'indépendance de la Martinique et la construction d'un modèle d'inspiration socialiste. Avec un concept de base, donner au peuple martiniquais les éléments pour comprendre ce qui se passe dans le pays et dans le monde. Un vrai travail d'éducation et de pédagogie. Nous militons pour que notre peuple soit responsable, qu'il ait confiance en lui-même, qu'il puisse se réaliser et qu'il puisse prendre les décisions qui s'imposent en toute conscience afin de changer, de transformer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, une situation qu'on ne peut plus accepter. Autre thème fondateur de Radio Appal, la culture et le patrimoine. La radio émet uniquement en créole et a mis un accent tout particulier sur la programmation musicale avec une forte mise en avant du belay. Nous avons voulu permettre aux Martiniquais de découvrir les musiques des peuples, que ce soit les peuples sur le continent américain, le Chili, l'Argentine, la Caraïbe, avec Cuba qui ne fait pas que de la salsa, il y a d'autres types de musique. Haïti, avec par exemple artistes indépendants, que ce soit en Afrique, des artistes comme Bonga, Pierre Akedengue, Myriam Makeba, etc. Que ce soit en Palestine, avec les chants de la résistance palestinienne, en Europe, avec des chanteurs comme Jean Ferrat et plein d'autres, un peu plus loin aussi, en Europe de l'Est, faire découvrir des musiques qui sont très belles. On l'aura compris, Radio Appal est une radio militante, comme le journal du même nom créé, lui, en janvier 1981, avec des émissions comme Apprendre, Manger, Manger, Pia, Bokoji, Bocantage, Voisinage Caraïbes et ses journaux d'information. Radio Appal se veut sans concession au service de la population.